Bienvenue au pape. N'ayez pas peur, leur dit-il, n'ayez pas peur quand lui-même est dans sa papamobile, évidemment qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. Mais les gens aiment ça. Les gens aiment ça. Mais tout cela paraît incongru de dire. Il est toujours bon d'être à l'initiative des réunions en tout genre. Ça nous donne automatiquement un aura. Se plier à moitié au rite musulman ne sert qu'à asseoir un peu plus de sa prétention papale d'être le leader et le garant Alors, de la le pape morale. François se dit frère avec les musulmans, évidemment, dans l'intention d'être le leader de cette nouvelle religion mondiale. Ils ne pourront N'ayez pas pas se peur. payer la protection de centaines de casques bleus vigilants et policiers en tout genre. Donc l'acte est symbolique. On va dans une mosquée. Tout cela est uniquement symbolique. Aller dans une mosquée, rien de plus facile et pour pouvoir frapper les esprits, mais évidemment, il ne se pliera pas aux règles musulmanes. Tout est dans le symbole. Il faut savoir marquer les esprits, évidemment. Les Nations Unies sont là pour protéger ce prélat. Mais les gens sont contents. Ils ont besoin de symboles, même si ce n'est que des symboles. La COP Ils ont besoin 21 de se rassurer. À Paris, au Bourget, qui est gardé par l'ONU, alors évidemment Ban Ki-moon. Au même moment, en Centrafrique, le pape François est gardé aussi par les soldats de l'ONU. Donc tout un symbole de cette nouvelle religion mondiale, évidemment, qui veut être dirigée par le pape François, puisque évidemment on le sait que étant leader dans les idées, on sera donc leader de ce qui arrivera. Un des donneurs de morale du monde, la religion mondiale est en marche. On ne peut être le garant de la morale mondiale quand on a un passé de sang et de guerre aussi lourd.